Des militants pacifiques. Oui. Nous avons des militants capables de manifester. Oui. Nous avons des militants qui ne sont pas violents. Tout à fait. Nous avons des militants qui ne jettent pas des cailloux. Chaque fois qu'il y a eu des problèmes, ce sont les gens des forces de l'ordre qui sont à l'origine de ça. Ce sont des gens des forces de l'ordre qui provoquent. Ce sont les forces de l'ordre qui tuent. Pour nous, c'est un véritable succès. Le président m'a chargé avec les leaders de l'opposition de vous dire que la manifestation s'arrête ici. Vous devez retourner tranquillement. Et il ne faut pas qu'on donne l'impression que nous sommes des gens violents. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui, on est d'accord. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui, on est d'accord. Je voulais vous donner rendez-vous demain. Oui. À 10h, Agnès Dine. Nous allons faire une autre démonstration de force. Nous allons accompagner nos frères au cimetière de Bambeto. Le cortège va démarrer à 10h et l'enterrement va se faire au cimetière de Bambeto après la prière à la mosquée. Nous sommes fiers de vous. Nous vous prions de retourner tranquillement à la maison. Considérez qu'aujourd'hui, c'est une victoire de l'opposition. Les bafoués sont en bas. Ils nous attendent en bas. Parce qu'ils sont payés pour tuer, ils sont payés pour jeter de lacrymogène. Le monde entier va se rendre compte que quand la manifestation est autorisée, encadrée, nos militants sont des vrais militants. Nous sommes fiers de vous. Merci, merci.